Jessica Thivenin bientôt maman ? Un bébé n'est pas d'actualité. L'emblématique candidate des Marseillais de W9 a dévoilé son autobiographie. Jessica Thivenin évoque, photo à l'appui, les violences conjugales dont elle fut victime. Comment avez-vous vécu cette 8e saison des Marseillais en Thaïlande? Jessica, je l'ai beaucoup aimé, vraiment. Les nouveaux, Greg et Naka, se sont vite intégrés car on se connaissait de Marseille. C'était une très bonne idée de la production de les avoir recrutés. Votre mari, Thibaut, vous a-t-il rejointe? Non, il ne pouvait pas à cause du travail. En revanche, il ne m'a jamais empêché de partir en tournage. Quand vous serez enceinte, accepterez-vous que votre bébé soit filmé comme celui de vos collègues Julien et Manon? Qu'on me voie enceinte à la télé, peut-être, mais de là à montrer mon bébé, je ne crois pas. De toute manière, un bébé n'est pas d'actualité. À 29 ans, vous publiez déjà votre autobiographie. Aujourd'hui, je suis posée, heureuse, mais quand je regarde en arrière, j'ai vécu beaucoup de choses. Je voulais faire passer un message aux jeunes filles qui me suivent. Leur dire que j'ai mis longtemps avant de trouver l'amour, que j'ai vécu des relations difficiles. On m'a trompée, on a levé la main sur moi, on m'a tapée. J'ai eu du mal à me débarrasser de ces relations malsaines. Dans votre livre, vous publiez des photos de votre corps meurtri par les coups. Les photos sont plus marquantes que les paroles. Je n'ai pas honte de les dévoiler, surtout si cela peut aider à faire passer un message. Non, ce n'est pas normal de se faire frapper. Il faut partir car ça recommence toujours. Il ne faut pas perdre de temps. Avez-vous reçu des témoignages de victimes de violences conjugales depuis cette parution? Mon Dieu, ma messagerie Instagram, c'est que ça. Le nombre de femmes qui m'envoient des photos de leurs blessures, qui me demandent si c'est normal, je leur réponds encore et toujours partez, fuyez. C'est tout moi. Disponible uniquement via www.jessibo.fr.